chaud avec le pull que ma mère m'a tricoté. Ça tient chaud, ça. Mais c'est trop con. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On n'est plus obligé de se souhaiter la bonne année, c'est bien, hein. Parce qu'il faut le dire, c'est une très grosse arnaque, ça. Quand tu vois ce qui se passe maintenant, si c'est celle de l'année dernière. Bon, bref, on s'en fout. Donc, je sais pas si tu vas voir la différence, mais je filme avec mon téléphone. Parce que tu sais très bien que mon caméscope était en train de rendre l'âme. Donc, c'était plus possible du tout. Donc là, j'espère que l'image sera un petit peu mieux. Je croise les doigts. Bon, l'image, ça devrait aller, mais c'est le son qui me fait peur. Je sais pas du tout comment il va ressortir, le son. Bon, puis là, l'image, elle ne doit pas être terrible parce qu'il pleut. Donc, il fait un petit peu sombre. Bon, bref, on s'en fout. Là, n'est pas le sujet. Donc, j'espère que tu vas bien. Et je l'ai déjà dit, mais bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Voilà. Bon, aujourd'hui, eh bien, je vais te présenter les créations que j'ai réalisées tout au long du mois dernier. Le mois de janvier. Les créations de la nouvelle année. Ouais. Alors, ce mois-ci, j'ai fait autant de créations... Attends, je sais pas comment tourner ma phrase. J'ai fait autant de créations que l'âge que j'ai. Ben voilà, tout simplement. Ouais, parce que j'ai pas encore pris un an de plus. Non, c'est cette année. Ah oui, comme tous les ans. Oh, la débile. Ouais, j'ai pas envie de prendre un an de plus. Mais ça compte pour du beurre, de toute façon, l'année dernière, puis cette année. Bon, bref, du coup, j'ai fait 33 créations. Ouais. Et ouais. Ça va, j'ai été raisonnable ce mois-ci. Ça va. On va pas se plaindre. Et comme d'habitude, pas tous, mais une bonne partie. Ouais. Des bijoux que je vais te présenter dans cette vidéo-là auront été poncés à la main. J'aime bien le dire parce que c'est tellement chiant à faire que j'ai besoin de le dire. On s'en fout. En plus, là, j'ai acheté la Dremel chez Action. Je ne l'ai pas encore testée, mais je l'ai enfin achetée. Parce qu'à chaque fois que je vais au magasin, à chaque fois, il n'y en a jamais. C'est pas français. On s'en fout. Et du coup, là, je l'ai trouvée, alors je l'ai prise direct. Mais je n'ai pas encore testé. On verra la prochaine fois. Et tous les bijoux pareils que je vais te présenter dans cette vidéo-là seront disponibles sur ma boutique. Et le lien est en barre d'infos. Mais je dis ça, je dis rien. Donc du coup, les prochains tutos que tu vas voir... Je les ai réalisés avec le téléphone, donc logiquement ça devrait être un petit peu mieux. On verra bien. À part le prochain tuto, j'ai voulu faire un test et j'ai filmé avec la GoPro. Donc tu me diras ce que tu en penses, bah, c'est vendredi prochain, le tuto que j'ai fait avec la GoPro. Tu le verras vendredi. Donc tu me diras ce que t'en penses. Si c'est mieux avec la GoPro ou avec le téléphone. Alors faut savoir aussi que j'avais fait plein de tutos en résine, mais que tous les tutos en résine, je les ai fait avec mon ancien caméscope. Enfin bref, voilà. Et un petit plus, en plus, j'ai changé mes plaques de carrelage. J'ai refait mon plan de travail avec des nouvelles plaques. Parce que jusqu'ici, je filmais avec ma plaque de carrelage en gris foncé. Mais là, mes parents, ils ont déménagé, ils ont refait la salle de bain. Alors, je leur ai piqué le reste de carrelage pour refaire mon plan de travail. Et puis maintenant, le carrelage, il est dans les tons beige. Donc, c'est plus clair. Ça devrait être un peu mieux. On verra bien. Sauf les anciens tutos en résine, c'est pareil, je les ai fait avec l'ancienne plaque grise. Donc, ouais, pour l'instant, ça reste avec la vieille caméra et avec le vieux plan de travail. Et dans les prochains tutos, là, les tutos en polymère, ça sera avec la caméra, enfin le téléphone, et la nouvelle plaque de carrelage. On s'en fout complètement. Pourquoi mais on s'en fout, tais-toi, passe à autre chose. Et j'ai chaud là-dedans. On peut en mettre que deux comme moi dedans. Tu es comme aussi grand? Du coup, j'arrête de parler et je te montre tout de suite les créations que j'ai réalisées tout au long du mois de janvier. Et c'est parti! Et on commence avec des petites boucles d'oreilles. Bah oui, parce que d'habitude, je fais toujours des colliers. Et bah là, j'ai voulu en... Oh! J'ai eu envie de changer. Bah oui, c'est ça. J'ai eu envie de changer. Oui, voilà, bref. Du coup, je sais pas, je me suis perdue toute seule là. J'ai fait des petites boucles d'oreilles. Originales, drôles. Ouais, à toi d'en juger. On commence avec la première paire, qui est plutôt classique.
J'ai utilisé ma canne méduse. Tu sais ce que je t'avais montré, que je t'avais présenté dans une autre vidéo. Et ben il me reste de la canne méduse. Alors du coup moi j'ai fait des petites boucles d'oreilles comme ça. Mais sauf que la méduse, elle ressort pas du tout. Du coup ça fait juste des petites boucles d'oreilles en forme d'amande dans les tons bleus. Ensuite les boucles d'oreilles suivantes et les petites tentacules. Eh ben oui, pourquoi pas, hein? J'ai envie de te dire. Parchemin à l'intérieur, et puis j'ai rajouté des petites microbilles pour pas que le parchemin se sente trop seul. Voilà. Ensuite, c'est des petites noix de coco. Pas parce qu'on est en hiver qu'on va faire que des trucs d'hiver, hein. Non mais où? Ensuite, j'ai fait des petites gourmandises, des barquiclus au chocolat, c'est mes gâteaux préférés. Enfin, pas mes préférés, mais en tout cas, je les aime beaucoup. Et les petites dernières, c'est des petits nuages pluvieux. Tout simplement. Ensuite, on enchaîne sur les colliers. Bah oui, j'ai quand même fait des colliers. Et donc le premier, c'est avec mes restes de canne translucide. Eh bien, j'ai fait ce collier-là. Tout simplement. Le collier suivant, c'est avec une canne tigre. J'avais fait le tuto de la canne tigre il y a extrêmement longtemps et j'ai voulu refaire pour refaire des bijoux. Donc bah voilà, un bijou tigre avec des boucles d'oreilles offertes en cadeau. Je me suis inspirée des récifs coralliens pour faire ce petit bijou-là, en toute simplicité, mais dans les tons noirs et dorés pour faire un côté très chic. Et les chicos, ce collier. Ensuite, le collier suivant, tout en rouge et blanc. Et pareil, j'ai utilisé les restes de mes cannes translucides. Là, c'est juste un petit rond que j'ai replié sur lui-même et j'ai rajouté des petites perles à l'extrémité. Dans les tons noirs et rose, oui, noir et rose, en forme de spirale avec une petite perle au milieu et les boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Thank you.
petites boucles d'oreilles bleues. Et ben j'ai fait un camé tout en gourmandise. Et surtout tout en cochola. Bah ben oui, je disais cochola quand j'étais petite et puis depuis c'est resté. Sur le thème de la mer, j'ai repris ma canne méduse et ma canne eau pour faire ce bijou-là, mais finalement la méduse, elle se voit pas du tout. Je fais que du cachet avec ma canne méduse. Et j'ai les petites boucles d'oreilles offertes en cadeau. Avec la couleur bleu quartz et tout en translucide. Et les petites boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Collier suivant, et c'est un petit éléphant tout mignon, tout choupidou. Et en plus de ça, il est recto verso, il est réversible. Ça, c'est génial, non? Et donc pour ça, j'ai utilisé la technique du céramique avec un motif mosaïque. Comme ça, ça fait un bijou céramique mosaïque. L'avant-dernier collier, c'est une petite lune pas très 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 contente, non? Elle est pas... attire la tronche, quoi, ma lune, hein? Je pense qu'elle doit être déprimée, vu mes circonstances. Et le dernier collier... Un hippocampe dans une fiole. Alors j'ai l'habitude de dire une hippocampe, hein. Je sais que c'est un, mais si je dis une, il ne faudra pas m'en vouloir. Bref, voilà, un tout petit hippocampe dans une fiole. Avec les bijoux suivants et j'ai fait des petites broches. Vous voyez, parce que j'ai dit j'en ai marre des colliers, alors je vais faire autre chose. Donc j'ai fait des boucles d'oreilles et j'ai aussi fait des broches. Voilà. Donc le premier, il y a une bague avec. C'est une bague et une broche. Mais c'est le même modèle. C'est pas la même forme, c'est pas la même couleur, mais c'est la même chose. Bref, regarde, ça sera plus simple. Donc voilà, j'ai ma petite bague et une petite broche en forme de bouche, de lèvres qui sourit. Non, ça sourit pas vraiment, non. Bref, voilà, des petites bouches. J'ai trouvé ça rigolo. Ça change de d'habitude. Suivante, c'est pour aller avec le collier. C'est un petit éléphant avec la technique du céramique dans les tons jaune et rouge. La petite broche suivante, si c'était pas dans cette couleur-là, je l'aurais gardée pour moi parce que c'est vraiment une de mes chouchous.
c'est encore un hippocampe. J'ai passé énormément de temps sur cette hippocampe. C'était très très long à faire. Si elle n'était pas mauve, je regardais pour moi. J'aime pas trop cette couleur-là. Bref, on s'en fout. Voilà, un hippocampe en broche. La broche suivante, c'est un petit dragon. La tête d'un dragon. Bah, c'est féerique, c'est fantastique, c'est mon univers, c'est tout ce que j'aime. Et en plus, j'adore les reptiles. Donc voilà, un petit dragon. Et la dernière broche, et bah c'est un petit caméléon. Bah oui, on reste dans les reptiles. C'est un petit clin d'œil à mon petit loulou que j'ai perdu il y a quelques années maintenant. Mon petit caméléon. Et donc voilà. Reviens, lumière! Bizarre. Pourtant, il y a du soleil là, sous ma gueule. Et oui, regarde, on voit le soleil là, on voit son ombre. Donc, du coup, eh bien, on enchaîne avec la dernière collection et j'ai refait des bijoux sur le thème de Harry Potter. Bah oui, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Harry Potter. Ça part très rapidement sur ma boutique Harry Potter. Donc du coup, j'ai refait des bijoux sur ce thème-là. Ça tombe bien parce que moi aussi, j'aime bien Harry Potter. J'ai beau avoir plus de 30 ans, et ben, je suis toujours fan de Harry Potter. Et alors, c'est quoi le problème? Il n'y a pas d'âge, on fait ce qu'on veut. J'ai déjà fait énormément de créations sur le thème de Harry Potter. Mais là, j'ai voulu mettre la barre un peu plus haut. Parce que jusqu'ici, je faisais des bijoux assez classiques, on va dire, entre guillemets. Et donc là, j'ai voulu monter le niveau. Voilà, tout simplement. Et donc, on commence avec les 4 premiers bijoux, mais c'est des petites boucles d'oreilles en toute simplicité, sans chichi. Et après, on enchaîne sur les colliers. Voilà. Donc, les 4 boucles d'oreilles, elles sont en forme de cravate aux couleurs de l'école de Poudlard. Donc, il y a Gryffondor, Poufsouf, Serre-d'Aigle et Serpentard. Pas sûr d'avoir montré les cravates dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Et on enchaîne sur les colliers. Donc le premier, c'est le Dark Mark. En français, la marque des ténèbres de Lord Voldemort. Et la plupart de ses disciples, de ses fidèles, l'ont tatoué sur la main, le bras. Voilà. Bref, c'est la marque des ténèbres. Et donc les 5 autres colliers, les 5 derniers colliers, c'est les portraits des personnages dans la saga Harry Potter. Tout simplement. Et pour la plupart, enfin non tous, oui, les 5 persos, les 5 portraits des personnages, j'ai rajouté le patronus qui va avec le perso. Sauf que par moment, je n'avais pas la breloque qui allait vraiment avec, donc j'ai essayé de me rapprocher le plus possible. Bref, voilà. Et on commence tout de suite avec le portrait de Harry Potter. Je l'ai déjà fait je sais pas combien de fois ce portrait-là,
Mais à chaque fois, il se vend très rapidement sur la boutique. Donc bah voilà, je l'ai fait une nouvelle fois. Et la petite breloque en forme de cerf, son patronus, qui va avec. Ensuite, on enchaîne avec le chouchou de beaucoup de petites filles, qui bizarrement, c'est bizarre, pourquoi beaucoup de filles l'adorent? Parce que c'est le méchant de la série, de la saga, entre autres. Enfin bref, du coup, eh bien voici Drago Malfoy. Et donc là, j'avais pas son Patronus, donc j'ai rajouté une petite tête de mort, tout simplement. Enchaîne avec Rubeus Hagrid et son petit dragon. Bah oui, Hagrid et les dragons, c'est une grande histoire d'amour. Enchaîne avec l'oncle de Sirius Black. Et là, normalement, son patronus, enfin, en tout cas, il peut se changer en chien noir, mais je n'avais pas de chien en breloque, donc j'ai rajouté un petit loup. Mais ça va, ça se rapproche quand même beaucoup. Donc voilà. Dernier, le professeur Rogue et sa petite biche. Dans les personnages, hein, dans... j'ai fait du mieux que je peux. Hein. C'est pas les répliques exactes, c'est plus des caricatures. C'est même pire que ça. Bon, j'espère qu'ils sont assez ressemblants quand même. Voilà. Et donc du coup, j'ai fait le tour des créations que j'ai réalisées tout au long du mois de janvier. C'est fini. Alors j'espère sincèrement que cette petite vie, toute petite rikiki vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Je suis un petit peu longue à la détente. Hein. Moutiki, t'arrives à la fin. Je disais que j'étais un petit peu longue à la détente pour répondre aux commentaires, mais je finis toujours par le faire. Parce que c'est la moindre des choses. Le respect. Si jamais tu as des idées de tuto, n'hésite pas à me le faire savoir, parce que si je peux le faire, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Faut juste être un petit peu patient, parce que je suis un peu longue. Enfin, c'est pas que je suis longue, c'est que je l'ai fait directement. Mais vu que j'ai déjà plein de tutos de prévus, de déjà filmés et qu'ils attendent de... Enfin, bref, tu vois, c'est un cercle vicieux, quoi. Qui commence pas, c'est pas possible. T'es fatigante, mon loulou. Tu m'as laissé faire la vidéo tout le long, tranquillement, et t'arrives pour la fin pour foutre le bordel. T'es chiant. Bah oui, t'es chiant. Donc, du coup, c'est le moment de couper court à cette vidéo. Alors, moi, je te fais tout. Au secours. Viens. Viens au moins. Viens montrer ta tête de méchant. Ouais. Regarde-le. Hein, t'es pas gentil. Je te fais tout plein de gros boutons. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Ça va, mon loulou? Petit bisou. Tu fais des petits câlins? Oh, bah oui, mon amour. Oh, tu gagnes. Oh, tu es beau. Ça va, mon amour? Oui, c'est mon bébé. C'est mon amour de bébé. Petit bisou. Petit bisou. Petit bisou.